Un début intéressant, mais les joueurs vont devoir accélérer pour essayer d'avoir un peu plus d'ambition. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Attention, si ça rentre! On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Attention, ce corner de Neymar. Thiago Silva. Oh, la barre! Oh, il a trouvé la barre! Et le ballon qui sort finalement. Quelle occasion! Marcelo. Kroos. Benzema. Verratti. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Karim Benzema. Bale. Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà! Ah, ça n'aura pas traîné! Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. La frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance, c'est quasiment imparable. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. André Di Maria. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Edinson Cavani. Di Maria. Le ballon qui récupère. Allez, ils peuvent égaliser là. Draxler. Marco Verratti. C'est contré par le défenseur, dommage. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Isco. Ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Bale. Thiago Silva qui dégage. Mbappé. Verratti. André Di Maria. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Est-ce ce ballon qui traîne? Neymar, la frappe. Oh, c'était pas mal joué. C'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Marcelo. Ouais, on passe par les côtés. Real Madrid qui obtient un coup franc. Raphaël Varane. Ouais, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Luka Modric, il prend sa chance. Non, pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Neymar. Cavani. Edinson Cavani qui fait. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. Neymar. Ouais, bien déposé hein, ce centre, mais personne pour le reprendre. Dani Alves. Marco Verratti. Sortie de but. Edinson Cavani. Edinson Cavani, dont on a. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Ouais, le ballon en retrait. Oh, la parade exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, pour les supporters adverses, du coup. Attention, ce corner de Neymar. Mal exploité, hein, ce corner. Ils auraient pu créer plus de danger dans la surface, c'est sûr. Mbappé. Et le PSG qui va profiter de cet espace. La frappe de Neymar. André Di Maria. Oh, quelle occasion! Oh, quelle occasion! Il l'a manqué. Ouais, il reste du temps dans ce match, mais ça aurait été bien d'égaliser tout de suite. Allez, dans le couloir. Et la voilà, la frappe.
Pas de souci pour le gardien. Et le couloir est désert, le PSG va pouvoir en profiter. Kroos. Marco Asensio. Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tournois. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Marcelo. Isco. La passe est interceptée. Verratti. André Di Maria. Julian Draxler. Oh, il redonne à Di Maria. Verratti. Ouais, la frappe. Ouais, le ballon touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Marco Verratti. Attention, il peut centrer là. C'est finalement récupéré par le Real. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et c'est Varane qui renvoie sans se poser de questions. André Di Maria. Allez, allez, ça doit aller au fond ça. Le but qui va être refusé, car l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ça doit se jouer à pas grand-chose. Hein. On va revoir hein, ce but refusé pour hors-jeu, pour se faire une idée. Et l'arbitre assistant qui semble avoir raison sur cette décision. Isco. Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Une action qui ne donne rien. Ce ballon qui est dégagé. Carvajal. Il centre vers ses partenaires. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Mbappé. Et le PSG qui va profiter de cet espace hein, sur les ailes. Ça donne un corner pour les Parisiens. Ah, il part bien ce corner. Thiago Silva. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Marcelo. Marco Asensio. Dani Alves. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Kylian Mbappé. Corner pour le Paris Saint-Germain. Le corner de Di Maria dans la surface. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Voilà, les uns et les autres vont regagner. Le Real Madrid qui va donc aborder cette seconde période avec un avantage au score. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Mbappé. Cavani. Dani Alves. Un petit peu d'espace pour centrer. Draxler. Un peu d'espoir peut-être. Carvajal.
Casemiro. Que diriez-vous sur la prestation au cours de cette première période de Gareth Bale? Il y aurait une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. Hein. Le PSG qui ne touche plus un ballon maintenant. Forcément, ça a le don d'énerver le public. Edinson Cavani. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Et de nouveau un corner. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Attention, ce corner. Edinson Cavani. Ah, pas facile pour le gardien sur cette tête, mais c'est bien illustré. Ouais, il est impeccable, il se détend bien. Cavani, la frappe. Ça n'ira pas plus loin. Le gardien qui ne s'embarrasse pas avec une relance précise, loin devant. Karim Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas en jeu de 15 mètres non plus. Hein. Il éloigne le danger. Neymar. Julian Draxler. Marco Verratti. Contré. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc un corner. Ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. L'entraîneur qui va procéder à un double changement. Ah, il part bien, ce corner de Di Maria. Ouais, c'est le Real qui aura cette touche. Casemiro. Carvajal. Raphaël Varane. Bale. Le centre au second poteau. Ah non, ce centre qui n'aboutit pas. Marco Asensio. Nacho Fernandez. Casemiro. Bale. Modric. Gareth Bale. Le centre de Gareth Bale, bien joué. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. André Di Maria. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Benzema. Il est passé. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein. Le jeu, c'était pas là. André Di Maria. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. La passe est interceptée. La chevauchée. Le tir de Di Maria. Et ça sort en 6 mètres. Bale. Ah non, le ballon est perdu. Dani Ceballos. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il peut être dangereux. Il peut être dangereux là-dessus, Gareth Bale. Oh, le pénalty. Pénalty pour le Real Madrid. Sifflé à l'instant par l'arbitre. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Un ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle.
Le gardien qui est parti du bon côté. Superbe intervention sur ce pénalty. Il peut s'en vouloir d'avoir manqué ce pénalty et on sent qu'il va tout faire pour se racheter. La passe de Dani Alves, retrouvé sur son chemin un joueur adverse. Benzema. Le ballon qui sort. Carvajal. Gareth Bale. Real Madrid qui obtient un coup franc. Allez, changement. Il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement manqué. Ah ouais, la moindre des choses, quand on tire un coup franc, c'est d'y croire un minimum quand même. Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Choupo-Moting. Centre, il a vu ses coéquipiers. Ah non, c'est pour personne. Allez, 9 minutes. Il ne reste que 9 minutes à jouer. Neymar. Adrien Rabiot. Edinson. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Le gardien sauvé par son poteau. Pas très chanceux sur cette action, vraiment. Ça sentait le but. Benzema, Adrien Rabiot, Neymar. Ce qui frappe chez Neymar, c'est Choupo-Moting. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Ouais, la passe en profondeur, attention. Sans danger pour l'adversaire. Il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette rencontre. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. L'arbitre qui accorde donc un coup franc au joueur du Real. Il combine à deux. Duel pour la récupération du ballon. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Voilà, le match qui se termine à l'instant. Le dernier coup de sifflet de l'arbitre. Victoire du Real. L'équipe qui fait fructifier sa dernière victoire en s'imposant de nouveau. 2 victoires consécutives, ça commence à être intéressant. Oui, si bon point de prix, l'entraîneur, c'est sûr, ne va pas cracher dessus. Tiens, donnez-nous votre impression sur le match de Gareth Bale. Assurément un des artisans de la victoire de son équipe avec ce but. De quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment. Attention, ce corner de Neymar. Thiago Silva. Oh, la barre! Oh, il a trouvé la barre! Et le ballon qui sort finalement, quelle occasion! Bale. Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà! Ah, ça n'aura pas traîné! Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Allez, le ballon en retrait. Oh, la parade exceptionnelle du gardien! Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Oh, il y est! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des rebonds. Angel Di Maria. Allez, allez, ça doit aller au fond, ça. Le but qui va être refusé, car l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ça doit se jouer à pas grand-chose, hein. Kylian Mbappé. Corner pour le Paris Saint-Germain.
PSG qui ne touche plus un ballon maintenant, forcément ça a le don d'énerver le public. Edinson Cavani. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Et de nouveau un corner. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Attention à ce corner. Allez, changement. Il sort après avoir rendu une copie bien pâle. Oui, ça me paraît logique. Ah là, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement manqué. Ah ouais, la moindre des choses, quand on tire un coup franc, c'est d'y croire un minimum quand même.